Yo tout le monde, c'est SciSpix. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online à 9.41 pour un nouveau glitch. Donc ce glitch consiste à être invisible, donc votre corps entier, votre personnage entier, également sur le radar, donc tout invisible, personne ne vous voit. Avant de commencer, je vous invite à liker, partager, vous abonner, c'est pas déjà fait, et pourquoi pas activer la cloche. Donc pour commencer, il vous faut beaucoup de choses, donc comme vous savez, déjà le bunker pour avoir le centre d'opération mobile. Il vous faut un dépôt de véhicules spéciaux. Il faut un véhicule spécial aussi. Enfin, pour moi, passer à une heure de mille. Après, il vous faut un sécuroserve et un club de motards. Donc, il faut beaucoup de choses, je sais. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas tout ça. Donc, je suis désolé pour vous. Mais en tout cas, tous ceux qui ont tout ça peuvent le faire. Voilà, pour commencer, vous allez mettre votre centre d'opération mobile à côté de votre garage. Donc après, vous prenez votre véhicule, vous placez des bombes collantes devant le garage. Là, vous allez entrer avec vos véhicules. Donc, vous en mettez 3, moi j'en mets 3 au cas où, mais vous en mettez 3. Et voilà, vous montez, après vous allez foncer dans le garage. Et quand on va commencer à voir la cinématique, vous allez faire flèche de gauche pour activer les bombes collantes. Donc là, vous avez bien entendu que j'ai eu le bruit de quand je suis mort. Donc si vous spawnez dans le garage, vous n'avez pas réussi. Si vous spawnez dehors, vous avez réussi. Donc pour ma part, j'ai réussi. Donc ensuite, une fois que vous êtes dehors, vous avez réussi. Donc après, vous allez vous rendre à votre centre d'opération mobile. Voilà, vous rentrez dedans. Là, vous allez compter 3 secondes quand il y a le petit rond blanc à droite qui apparaît, 3 secondes, vous êtes à PS, vous avez là le menu comme ça, vous êtes comme ça, vous descendez en bas, vous allez dans activité, une fois activité, vous allez choisir une activité de vos amis. Par contre, il faut qu'il y ait marqué lancer GTA Online. S'il y a marqué lancer GTA 5, ça ne marche pas, faut qu'il y ait GTA 5 Online. Donc vous appuyez, vous faites rond, vous avez un petit chargement, et quand vous allez spawn, vous allez spawn invisible dans votre garage. Donc ensuite, il vous faut des Peace Weather, donc c'est des bières. Donc je vous mets en accéléré parce que c'est très long. Donc moi, avant de commencer le glitch, je vous conseille d'aller acheter au supermarché, c'est pas cher. Alors le max c'est 10, il vous en faut au moins 8, pour ma part c'est 8. Et un conseil pour bien les utiliser, vous appuyez sur X après, enfin vous appuyez deux fois sur X, et sur la deuxième fois vous allez rester appuyé. Là vous buvez vraiment vos bières. Donc après que vous allez vous évanouir, comme moi, vous allez respawn invisible devant l'hôpital. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner, non pardon, vous n'allez pas retourner, vous allez aller à votre club de motards. Déjà il faut que vous inscriviez un club de motards. Après vous allez à votre garage de club de motards. Donc une fois que vous êtes dedans, vous allez vous mettre un FPS. Vous allez rester 3 secondes dans le garage, après vous allez mettre un FPS. Donc une fois que vous êtes dans le garage, vous allez mettre un FPS et vous ressortez de votre garage de biker un FPS. Si vous ne sortez pas un FPS, ça va pas marcher. Et quand vous êtes sorti, vous allez être complètement invisible, et cette fois-ci, vous pourrez utiliser vos armes. Parce qu'on ne pouvait pas viser avant, là vous pouvez. Comme vous voyez, j'ai la map invisible, mon personnage aussi, par contre là je suis un FPS, voilà. Voilà, là je vous pose que je suis pas un FPS. Voilà, vous avez bien vu mes armes apparaître. Voilà, on peut utiliser nos armes. Donc moi je vais essayer sur la fin des vidéos. La fin des vidéos, c'est juste que je vais troller des abonnés, que je comptais faire des glitches avec eux. Donc comme vous voyez, je les troll parce qu'en fait ils savent pas ce qui leur arrive. Après, je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, un abonné m'a dit qu'il me voyait tuer son ami à côté de lui. Comme là, je vais vous montrer. Là, il est mort, il le voyait tuer à côté de moi, mais il me voyait pas. Il voyait pas mon personnage, ni sur la map. Donc il commence à avoir peur, il trouvait ça bizarre. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur la fin. C'était SciSpix. Salut tout le monde. Peace!